tout le monde, ça y est, on se retrouve pour le dernier jour. Nous sommes le 25 décembre. On va souffler direct. Donc voilà, ça y est, c'est l'heure de la fin du swap. Hein, j'ai adoré honnêtement passer ce mois avec vous, à ouvrir mes calendriers de l'Avent, Kinder, chocolat, mignon, The Body Shop pour la beauté et bien sûr bah, tout mon swap, un cadeau par jour, ça a été vraiment mais magnifique. Et voilà, d'habitude je suis très impatiente comme fille et là bah, ça m'a permis de prendre sur moi un peu et d'ouvrir un cadeau par jour. J'ai vraiment mais ravie de tous les cadeaux que Mélanie m'a acheté, elle me connaît vraiment mais parfaitement. Et voilà, je te remercierai jamais assez, je te fais de gros bisous. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Énormément fait plaisir bah, de le faire avec toi. Merci à tous ceux bah, voilà, qui nous ont suivis. Et je vais arrêter là et on va commencer à ouvrir parce qu'en même temps, je suis très impatiente de découvrir quand même le dernier cadeau. Il fallait bien que Moumoun s'installe sur l'ordinateur pour cette dernière vidéo, n'est-ce pas? Et voilà, merci pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires sur toutes les vidéos que j'ai fait par jour. Donc aujourd'hui, il n'y aura que l'ouverture de ce swap avec tous les remerciements et tout ça. Pour vous souhaiter également, bah, bien sûr, un joyeux Noël, donc entouré de votre famille, de vos proches. J'espère que le Papa Noël vous aura vraiment gâté. N'hésitez pas après à me mettre en commentaire les cadeaux de Noël que vous avez eus, puisque vous verrez cette vidéo le 25 à 18h. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez bien mangé. Et ben moi c'est parti pour ouvrir mon dernier cadeau. Et avant ça il y avait une pochette bonus. Donc je vais commencer déjà par la pochette bonus pour voir ce qu'il y a dedans. Elle m'avait dit qu'elle m'avait mis deux pochettes, une que j'ouvrirai au début et l'autre à la fin. Donc celle-là c'est la dernière. Oh, oh non mais c'est trop bon. Encore des petits chocolats, des petits Milka en boule un peu comme ça. Je les ai jamais goûtés ceux-là, j'ai trop hâte et j'adore les Milka. Et qu'est-ce que c'est que ça? Trop mignon. J'adore. C'est tout à fait moi. C'est une petite... En plus on peut la mettre dans le sapin, c'est trop chou. C'est une boîte Mickey et Pluto. Elle est magnifique, on peut l'accrocher dans le sapin. En plus je suppose qu'il doit y avoir des petits chocolats à l'intérieur. J'ai même mis des petites pièces en chocolat. Et j'adore ça, les petites pièces en chocolat, donc je suis ravie. Et la boîte est trop belle, je vais la mettre vraiment dans mon sapin parce qu'elle est vraiment mais sublime. On va passer à la révélation. Et elle m'a fait toutes les confettis du monde pour ce dernier cadeau. Elle m'a dit que je vais être mais vraiment trop contente. Et elle m'a écrit « Joyeux Noël ma chérie », donc le numéro 25 avec l'étiquette avec le Papa Noël et tout. Mais oh, je sens que mon maquillage va couler, je l'ai préparé en plus pour ce soir juste pour faire des petites retouches à la fin. Mais là... je sens que mon maquillage va vraiment couler, donc voilà, regardez-moi cette merveille. Pas changé, ce paquet est magnifique, j'ai limite pas envie de le déballer, mais il va falloir, n'est-ce pas? Donc c'est parti. J'ai peur, franchement, si tu as fait des foulées, attention à toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh non, me dis pas que c'est la palette de blush que je voulais. Depuis au moins un an ou deux ans, je crois qu'elle était sortie l'année dernière. Non, c'est une blague si t'as fait ça. Je vais pleurer si c'est ça, c'est pas possible. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ah, je vais l'ouvrir. Oh, c'est une blague. C'est une blague. C'est ça. Je vais pleurer, je crois. Oh putain. Voilà le bijou. Oh, c'est la palette de blush que je voulais depuis deux ans de chez Tarte. Elle est absolument magnifique. Je suis sans mots, je suis sans voix. Honnêtement, je sais pas comment t'as fait pour la procurer. Elle se trouve bah, qu'aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. Et voilà, et nous en France, bah, on n'a pas Tarte. Et cette palette de blush, je sais plus quoi dire honnêtement. Ça me touche tellement que t'aies fait ça pour moi. Enfin voilà. Merci 10 000 fois, je ne sais plus quoi dire, je crois que je vais complètement être bête dans cette vidéo honnêtement. Mais voilà, j'ai plus de mots, elle m'a surprise Mélanie de jour en jour. Je suis trop émue, je pense que ça se voit et je sens que mes larmes vont couler dans pas longtemps, on va se calmer. Vraiment vraiment cernée dans tout et franchement je peux le dire vraiment aujourd'hui que j'ai trouvé ben, une amie. C'est pour ça aussi que j'aime l'aventure YouTube, et voilà tout simplement pour ça, pour les belles rencontres. Et dans la vie de tous les jours, voilà, c'est pas évident de se faire des amis. Quand on voit la générosité de certaines et à quel point on peut s'attacher ben, voilà, à différentes personnes, on s'écrit tous les jours avec Mélanie et... Pff, et voilà, franchement je crois que je vais arrêter ici parce que je suis ultra touchée. Je suis vraiment ultra touchée et je pleure pas par rapport à la palette
même si voilà ça me fait énormément plaisir. Mais c'est parce que voilà, moi dans la vie j'ai pas toujours été chanceuse, voilà, en amitié. Vous savez pourquoi? Bah, tous les jours je suis souriante. Quand j'ai eu mon accident, je me suis dit bah c'est pas grave, relève-toi. T'aurais pu voilà partir aujourd'hui. Oh, reste d'être là et profite bah, au jour le jour. Et l'amitié bah c'est pas forcément ce qui compte le plus. Heureusement que j'ai ma famille, mon chéri et tout ça. J'ai personne à qui me confier à part ma famille et mon chéri. Tout ça pour dire aussi bah voilà que YouTube ça m'a réconciliée avec l'amitié. J'en sors plus forte. Bon, cette vidéo est dure à terminer mais voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci pour tout. Normalement je pense que demain il y aura une vidéo bonus. Yannick, je te remercie encore beaucoup, je te fais de gros bisous et j'ai vraiment vraiment hâte de te voir. Je vous dis à demain, bisous tout le monde et en tout cas bah, joyeux Noël.